Je m'appelle Yacouba Ouattara, je suis arrière ailier et je suis en équipe de France depuis 2017. Mes principaux points forts, c'est ma polyvalence, apporter de l'agressivité défensive, beaucoup de pression, beaucoup de positivité aussi au sein du groupe et apporter aussi mon adresse à trois points et mon agressivité au panier. Le mindset qu'on a, c'est qu'on ne veut pas que l'adversaire voit le jour. Ce soir, ça va être dur pour toi et c'est presque personnel. Il faut avoir beaucoup de fierté et ne pas vouloir se faire avoir par l'adversaire. On sort actuellement de la vidéo, là où on a analysé un peu notre plan de jeu, l'adversaire du soir. Moi, personnellement, comment je me prépare à un match, comment je me prépare à défendre sur un joueur, déjà, je regarde ses points forts et ses points faibles individuellement. Et je me base sur ça pour mettre en place ma défense. Ce qui est très important, je trouve, c'est le début de match. Quand le joueur va rentrer sur le terrain, quand je commence à défendre sur lui, c'est très important qu'il soit dans une situation inconfortable. C'est-à-dire que si c'est un droitier, tout de suite le mettre sur la main gauche. Si jamais il me bat et qu'il va en direction du panier, faire une faute plutôt que de lui laisser un panier facile. What a block! Not in this house yet again. Mon meilleur moment en équipe de France, je pense que c'était le match contre l'Allemagne pendant les fenêtres de qualification. C'était un match très important qu'il fallait gagner et en plus de ça, j'ai fait mon record de points en équipe de France et c'était mon meilleur match jusqu'à présent. Ouattara pour Mathias Le Sor. Pour Ouattara! Waouh, quelle action collective! Avec le super dunk pour finir! Pour moi, c'était quelque chose de très important de participer à une campagne majeure comme la Coupe du Monde. Et en France, on a énormément de talents, donc c'est très dur de gagner une place au sein de cette équipe. Donc quand on a l'opportunité de l'avoir, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ouattara. C'est aussi grâce à mon expérience Euroleague que j'ai été appelé. J'ai été utilisé pour des missions défensives sur des temps très courts. J'ai toujours su avoir un impact sur le match et je pense que c'est ce qui a su séduire le coach. Comme je suis un gros défenseur, je suis très motivé à l'idée d'affronter des joueurs de niveau mondial, les meilleurs joueurs au monde et justement avoir ce rôle de stopper.